Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le samedi 10 octobre. Tu as de la chance. Mes voisins ont arrêté leur fête. Ils étaient en train d'écouter de la musique très très fort. Alors, il ne se rend pas compte. Bon, tu ajoutes un i hein, ici. Elle est calme, elle est posée, elle a de la connaissance. Elle ne réagit pas émotionnellement. Mike Pence, il n'est pas nerveux, il est calme dans les débats. On ne parle jamais d'économie. L'avenir économique fait peur aux gens et les politiciens n'en parlent même pas. C'est quand même assez catastrophique. Ils ne savent pas où ils vont. Les gens ne savent pas où ils vont. Donc maintenant, il faudra choisir entre la peste et le choléra. Parce que les gens, eh ben, ils ont besoin de mettre de la nourriture sur leur table. Et pour le moment, ben, c'est pas très, comment dire, clair la situation. Pour la prochaine fois, nous allons parler de Jeanne d'Arc. Et dans l'email, tu verras que j'ai mis deux fichiers sur Jeanne d'Arc. Il y a une photo et un petit texte. Okay? Ensuite, eh bien voici le résumé des propositions en ces résumés. Alors, il est donc on parle de pays. Être en France, c'est un pays féminin. Être au Japon, c'est un pays masculin. Aux États-Unis, les mois et les saisons. Donc tu vas entendre la musique. Ils ont recommencé leur fête. Okay. Et donc ici, le mois et les saisons. En septembre, en octobre, en janvier, en hiver, en été, etc. Except, avec l'exception de au printemps. Les transportations, ça veut dire quoi? En avion, en voiture, en train, en bateau, mais à bicyclette, à vélo et à pied. Je suis en forme, je m'habille en pantalon, elle est tout en blanc ou tout en noir. Transformation, par exemple, je traduis ce livre en anglais ou je me déguise en pirate. Le matériel, c'est quand on veut décrire comment dire, une chose qui est la fabrication, le matériel d'un objet. C'est fait en quoi? D'accord? Donc, j'achète une chemise en soie ou j'ai une boîte en plastique ou ma table est en bois. D'accord? Ensuite, ça, c'est les exercices. Et ça vient de grammaire progressive niveau intermédiaire. Ici, on a les quantités indéterminées, les partitifs, du, de la, des, de, à l'apostrophe. J'en mange, j'en bois, j'en achète. Il y a du pain, oui, il y en a. Les quantités exprimées, vous avez des enfants, oui, j'en ai deux, j'en ai quatre, etc. J'en ai un. Il y a 20 étudiants, non, il y en a 30. Vous avez combien de télé? J'en ai deux, j'en ai trois, etc. Une est considérée comme une quantité. Vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. D'accord? Donc c'est un article et aussi une quantité. La négation, avant et après, le verbe. Hein. Donc vous avez des brioches? Non, je n'en ai pas. Il y a du pain? Non, il n'y en a plus. Alors, une disparaît à la forme négative. Vous avez un stylo? Non, on va pas dire je n'en ai pas un. Hein, non, je n'en ai pas parce que c'est une quantité nulle. D'accord? Et là, elle parle souvent de son travail. Oui, elle en parle. C'est pour les verbes qui sont suivis de la préposition, enfin du pronom en, enfin qui sont suivis de la préposition à et qui vont remplacer l'objet direct par le pronom en, préposition pronom. Il parle de son projet. Oui, il en parle souvent. Parler de. Il rêve de son travail, il en rêve la nuit, rêver d'eux. Il s'occupe de la gestion, oui, il s'en occupe, s'occuper d'eux. Il est content du produit, oui, il en est content, être content d'eux. Il est fier du résultat, oui, il en est fier, être fier d'eux. Il a besoin de repos, il en a besoin, avoir besoin d'eux. Il a envie de partir, oui, il en a envie, avoir envie d'eux. Ah, c'est mon chien qui veut sortir, une petite seconde. Pour les personnes, attention, il faut utiliser un pronom tonique. Vous parlez de votre père? Oui, je parle souvent de lui. Et tu te souviens des Duval? Oui, je me souviens d'eux. On va pas dire je m'en souviens. Quand on parle d'objets, de situations, en.
Mais quand on parle de personne, il faudra changer ça. D'accord? Je vais ouvrir la porte, petite seconde. Allez. Go. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on parle de personne, généralement, on parlera de pronom tonique. Alors, il faudra se souvenir aussi des pronoms Y. Je vais le mettre par la suite, comme ça, on pourra s'en souvenir. Les prénoms Y, eh ben, c'est quoi? Généralement, c'est les lieux. Mais on peut également avoir des verbes qui sont suivis de la préposition de, à, pardon. Préposition à. Et ici pour en, c'est préposition de. Alors, vous parlez de votre père. Oui, je parle souvent de lui. Tu te souviens des Duval? Oui, je me souviens d'eux. En, on peut remplacer également un nom de lieu. Tu viens de la piscine? Oui, j'en viens. Ça se voit venir de. Alors, attention à venir de parce que ça peut être l'origine. Je viens de Paris et je viens de faire quelque chose. OK? En dépend de la construction du verbe. J'aime beaucoup le chocolat et j'en mange souvent. D'accord? J'aime beaucoup le chocolat et j'en mange souvent. Les expressions courantes avec en, au revoir, je m'en vais, ça suffit, j'en ai assez, j'en ai marre, je suis fatiguée, je n'en peux plus, mon mari est parti, je ne lui pardonne pas, je lui en veux. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, c'est moi qui ferai la vaisselle, laisse, je m'en occupe. Okay? Et les exercices, ça je pense pas que tu les aies fait. Ok? Alors, concernant la correction, alors je vais faire une petite correction rapide parce que je veux t'avouer que je suis fatiguée. Il est 9 h seulement, mais je suis fatiguée. Et je crois que j'ai besoin de me reposer avant de commencer lundi. Alors, ça, c'est les devoirs. Ne fais pas attention à ce qui se passe dans la rue, c'est un vrai bordel. Alors, j'amène mon fils à son cours. Chaque dimanche, Jacques apporte le petit déjeuner au lit à sa femme. Françoise emmènera nos enfants à Disneyland demain. Ok. S'il te plaît, apporte-moi l'éponge à côté de l'évier. C'est bon. Quand vous préparez votre voyage de ski, n'oubliez pas d'emporter des apostrophes. Hein. N'oubliez pas de faire quelque chose. Emmenez, il n'y a pas de avec ça. Hein. Emmenez-vous quelqu'un au pique-nique ce samedi. Non, nous ne pouvons pas être là avant 17 h. Nous rapportons notre voiture de location au garage. Oui. Ils emmènent leur chat avec eux. Peux-tu. Donc, ça, c'est ramener, pas remmener, mais ramener. Marie chez elle. Alice, n'oublie pas d'emporter ton livre quand tu pars. Ok. Alors, là, tu as bien compris quand même. Hein. Donc, là, compléter ces phrases. Là. Tu dois nous amener des pommes. Je vous amène Luc vendredi prochain. Ok. Maman, je vais t'emmener au marché demain. Emmène ta petite amie à la maison. Ou amène. On ne va pas la laisser toute seule. Amène ta petite amie à la maison. Il faut ramener le dictionnaire après le cours. Qu'est-ce que vous apportez ici? Pierre veut emmener son chien. Alors, il faut que j'aille. Son chien, il amène. Il emmène. Fais attention à hein, emmène et amène. Hein. Ok. Amène ses enfants au football tous les soirs. J'espère emporter de nouveaux vêtements. Ok. J'ai emmené, donc il y a ces et, comme ça. Et. Voilà. Il n'y a qu'un seul M. Et un petit accent. Ok, emporter. J'espère emporter. Donc ici, c'est pas et. Parce que ça sera, voilà, l'infinitif. J'ai emmené Julien au restaurant. Oui, mais on ne le laisse pas au restaurant. On va dire, j'ai amené. Oui, j'ai amené, j'ai emmené. Ouais, c'est bon comme ça. Hélène, vas-tu amener? Enfin, il faudra qu'on revoie là.
Faudra qu'on revoie amener et emmener. Voulez-vous que je vous emmène? Je voudrais. Il faudra on va tout faire ensemble. Il faudra tout faire ensemble parce que là, il y en a trop. Et je pense qu'il y a encore une petite confusion, d'accord? Donc, on va corriger les devoirs ce mardi, ce mardi, parce que je veux être certaine que tu comprennes la différence entre emmener et amener. Ok. Alors, ça c'est fait. Et puis, bon, bah, c'est tout, hein. Voici le résumé de ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, n'oublie pas que dans l'email, je t'ai mis deux fichiers en plus qui parlent de Jeanne d'Arc. D'accord? Passe un très bon week-end et on se parle donc mardi. À bientôt!